Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Rappelez que quand on n'est pas associé avec les autres, le combat ne sera pas du tout efficace. C'est la pensée de Justin Bitakwira. Alors nous posons la question, où est-il? Est-ce qu'il est avec les autres ou il est seul? Alors s'il est avec les autres, c'est qu'il est une grenouille qui est avec les autres. Mais s'il est seul, c'est qu'il est une grenouille qui s'est isolée. Lui-même connaît la suite. Le pays va mal, cette pensée, nous vous avons toujours dit, parce que nous estimons que nous devons défendre alors notre pays par tous les moyens possibles, des moyens démocratiques, par les arguments, simplement, et surtout par les arguments, parce que nous avons fait le choix de la démocratie. Il va mal, que devons-nous alors faire? Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous prenons le temps d'échanger, bien entendu, avec les téléspectateurs, à travers les questions d'actualité, et bien entendu, voir comment aider correctement notre pays. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous l'aimons beaucoup, Héraclite d'Éphèse. Et vous comprendrez pourquoi sa pensée aujourd'hui a aussi des faits ou des sens. Parce que vous connaissez, il y a quelqu'un qui nous a laissé à la personne ici d'Apollinaire Malou-Malou, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, ancien président de la Commission électorale indépendante. Et finalement, président de la Commission électorale nationale indépendante. Il n'est plus en vie. Et voilà pourquoi la vie n'est qu'un parcours. En tout cas, pour atteindre sa fin, ce n'est pas aujourd'hui. Soyons reconnaissants que nous ne sommes que des êtres envoyés par Dieu. Pour un temps, il y aura un temps où on ne sera plus ici. Voilà. Tout coule et tout passe, rien ne demeure. Nous recevons ce soir pour vous Monsieur Gabriel Mokia, président national d'un parti politique de l'opposition dénommé MDECO, membre de la Dynamique. Et voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir, Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons échanger avec lui sur un sujet très important, en rapport avec la rencontre de l'opposition à Bruxelles, sous l'initiative de l'UDPS par son président Étienne Tshisekedi. L'opposition se rencontrait à Bruxelles pour réfléchir sur la question de l'heure. La question prioritaire, estimons-nous, à notre niveau, le dialogue et fin du mandat avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Comment sauver les meubles? Quel type d'attitude doit adopter maintenant l'opposition? Est-ce qu'elle doit accepter aller au dialogue? Est-ce qu'elle va refuser le dialogue? Alors, si elle refusait, qu'est-ce que ça va arriver? Voilà, autant de questions que nous allons poser également parce que nous devons vous informer que la Dynamique tergiverse et elle ne s'est pas donné sa position aussi très clairement. Alors on va analyser avec votre invité qui est sur plateau, membre de la Dynamique, de l'opposition. Il y a aussi projet de loi de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Un débat jusque-là à l'Assemblée nationale, très précisément au Parlement, alors parce que bientôt ce sera aussi le tour du Sénat. Alors, les contours seront évoqués et avec votre invité, nous allons aussi analyser parce que la crainte est là. On parle de 24 mois, la CENI a avancé 16 mois et après autant de mois, c'est complète au total, 24 mois, 2 ans s'il faut alors avoir un bon fichier électoral, s'il faut alors penser avoir aussi de bonnes élections à la longue. Et voilà, c'est comme ça que nous allons échanger avec votre invité, Gabriel Mokia. Voilà, ce soir nous nous rencontrons une fois de plus. Parlez-nous un peu de la dynamique aujourd'hui. Merci beaucoup au peuple congolais. Je présente d'abord mes condoléances. On va revenir sur la question parce que c'est une préoccupation. Non, à toutes les familles éprouvées et à tous les Bassong en particulier parce que la belle famille a perdu aussi un enfant. Et je ne peux pas passer comme ça, m'exprimer sans que je puisse présenter mes condoléances à la belle famille. Bon, je peux vous dire que la dynamique se porte à merveille. Il n'y a pas de problème dans la dynamique. Vous avez changé la modération? On a changé la modération. Il y a plus Fabrice Epouela. Oui, ils ont fait la remise et reprise avec Patrick Mayombe. Donc ça prouve que... Il est qui là? Parce que... Mais il est maintenant le modérateur. De quel parti politique? Il a son parti politique.
Qui n'est pas connu? Qui est connu, bon, peut-être que ça m'a échappé, il y a trop de partis politiques. Il est le président des partis politiques. Ce n'est pas une personne qu'on a ramassée comme ça. Non, on a commencé avec lui dans la dynamique. Donc c'est cyclique, hein, aujourd'hui. Ouais. C'est... Mais vous, c'est quand? Bon, le jour que je voudrais. Le jour que je voudrais, je vais prendre la modération. On est là, on regarde d'abord les autres faire. Et c'est... moi, ça serait une modération de choc. Choc comment? Des marches tous les jours. Mais ça, déjà, je préviens déjà au gouvernement. Ma modération, ça sera une modération de choc. Mais le modérateur ne provoque pas de marche, c'est la synergie. C'est moi le modérateur. Vous allez orienter les actions. Je vais orienter les actions, donc c'est comme ça la vie. Voilà. Si les choses ne marchent pas bien, le modérateur doit prendre ses responsabilités. Très bien dit. Alors, nous avons une question qui préoccupe aujourd'hui les Congolais. C'est la mort de l'ancien président de la CEI et finalement président de la CENI, Abbé Apollinaire Malumalu. Je m'en souviens, à chaque fois, vous reveniez sur son travail de 2006-2011, avant 2011. Enfin, c'est lui qui a organisé les élections en 2006 et finalement, il est revenu pour organiser les élections en 2011. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Il est tombé malade, finalement. Il est mort, Malumalu, Gabriel Mokia, acteur politique. La mort de Malumalu, quand vous l'avez suivi, ça vous a fait quoi? Bon, paix à son âme, on ne se moque pas de la mort d'une personne. Selon nos cultures. Selon nos cultures, c'est le chemin à nous tous. Cette année a pris autant de grands hommes. Et l'année prochaine, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous tous, nous avons trébuché aussi. On a failli. Parti, mais Dieu lui-même, il connaît qui est qui. Je viendrai chez vous comme un voleur. C'est ça que dit la Bible. Le vol. Il faut quand même se préparer tous les jours. Chaque jour. Chaque jour. Alors, il est parti. Il n'a pas de problème avec nous. Il a des problèmes avec lui-même et Dieu. Dieu lui-même, il connaît ce qu'il avait fait, des bons et des mal. Il sera jugé par l'Éternel, mais nous n'allons pas le juger. Mais nous, nous l'avons jugé sur terre pendant notre époque. Et maintenant, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. C'est pourquoi il est entre les mains de Dieu. Lui-même, Dieu prendra ses responsabilités. Nous ne pouvons pas ajouter encore quelque chose. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Parce que nous devons nous en souvenir qu'il fut prêtre, catholique, homme de Dieu. À un certain moment, il n'a pas marché selon la volonté de son Église. Il a estimé que il a fallu maintenant servir les intérêts de la nation à travers le travail à la tête de la CENI. Alors il y a eu un peu une certaine mésentente avec son Église, mais ne fût-ce qu'une leçon pour ceux qui restent, parce que nous devons dire, quand il y a des obsèques, on va participer aux obsèques, quand on dit, ou on entend des prières, ce n'est pas pour la personne qui est morte, mais plutôt pour ceux qui sont restés, pour qu'ils comprennent que c'est le chemin de tout le monde. Et à travers ces prédications, ceux qui sont encore en vie peuvent changer maintenant leur comportement. À travers cette mort, quelles leçons pouvons-nous tirer pour nous les vivants, qui sommes encore restés, et quel type de comportement adopter pour qu'on ne puisse pas aussi offenser toute une communauté à un certain niveau? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, comme je vous ai dit, un musicien a chanté « La vie, c'est rien ». Il faut toujours faire de bonnes choses pendant votre séjour sur cette terre des hommes. Moi, je n'aime pas critiquer quelqu'un pendant son absence. Je suis comme ça. Je critique une personne quand je la vois ou quand je sais que la personne est en train de me suivre dans une chaîne de télévision. J'ai l'obligation de lui critiquer, je vais lui dire ce que je pense. Mais si je ne suis, si la personne n'est pas là, je ne parle pas d'elle. Vous désintéressez. Désintéressé parce que ça sert à quoi? Mais moi, j'ai eu la chance de critiquer Malumalu pendant qu'il était vivant. De relever ses erreurs, ce qu'il avait fait, des morts qu'ils ont provoquées pendant les élections, les injustices. Mais si je ne l'accuse pas, je suis en train de relever seulement ce que vous avez dit. Mais maintenant, tout a une fin. Vous pouvez avoir autant de milliards. Vous pouvez être dire. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Je connais des ministres qui avaient de l'argent, qui avaient des gros dos quand ils occupaient des postes. Après, ils ont été révoqués ou remerciés ou le gouvernement est tombé. Aujourd'hui, c'était se promener à pied. Parce que le peuple congolais dit
Un poste, c'est un lit d'hôpital. Ce n'est pas seulement un poste ministériel ni de la présidence. Mais tous les postes, même un catonio. C'est cyclique. C'est cyclique. Et comme certaines personnes croient qu'être au pouvoir ou être aux affaires, il n'y a que toi. Les autres n'ont pas droit à la nourriture, il n'y a que toi. Mais pourquoi nous mourons et nous laissons tout ça? Même si ta femme savait préparer, à quoi vous apportez si... Là où tu es, il t'apporte la nourriture. Non, rien. Faites du bien sur cette terre des hommes. Le mandat, c'est une fois. Renouvelable, une fois. Tu respectes ce qui est dit par la Constitution, c'est-à-dire que c'est le peuple. Et tu auras votre bénéfice auprès de l'Éternel des armées. Quelqu'un qui a gagné les élections, vous proclamez quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas affaire avec nous, nous allons nous fâcher, mais Dieu lui-même, il sait ce qu'il fera de toi. C'est pourquoi j'ai dit, quand je regarde, je donne toujours raison à Ecclésiaste. Tout est vanité. Tout est vanité. Quand il y a des cas de mort comme ça, il y a une certaine nullité. Hein? Vous regardez aussi, vous dites, mais ça sert à quoi la vie? Ça sert à quoi alors chercher des adversités? Ça sert à quoi alors avoir autant de richesses? Pourquoi ne pas travailler pour l'intérêt de la nation? Pourquoi ne pas servir les autres citoyens? Ça, c'est une bonne interpellation. Ouais. Et surtout, à ceux qui sont aujourd'hui à la Commission électorale nationale indépendante, qu'ils comprennent qu'ils doivent servir la nation à travers leur travail. Ou non, et non servir les individus. Non servir les individus. C'est le jugement dernier qui fait trembler les gens. Moi, j'ai peur des jugements derniers. Quand j'ai attrapé la maladie, j'ai dit, oh, maintenant c'est mon tour. Bon, je vais être jugé. Mais la maladie est partie. Et surtout par la marche organisée par la dynamique, j'ai marché autant de kilomètres à pied sans problème. Et j'ai couru quand on a tiré des balles ou des grenades lacrymogènes. J'ai couru très bien. J'ai dit, oh, l'AVC est à terre de partir. Tout ça, c'est rien, mon frère. Quel est le prestige qu'un homme peut avoir auprès de Dieu, ou si c'est la terre des hommes, ou même s'il n'est pas aux affaires, mais il est vivant? Vous avez bien géré. Vous aimez la communauté. Vous aimez les autres. Vous trachez des choses conformément aux lois. Vous respectez les lois du pays. Même pendant votre séjour sur cette terre des hommes, que vous n'êtes pas aux affaires, vous n'allez pas beaucoup souffrir moralement dans ta propre conscience. Que vous êtes chef ou vous êtes quelque part, ton rôle c'est de tuer, arrêter, arracher, voler, piller, faire tout ce que bon te semble. Mais vous pouvez vous souvenir de tous les milliardaires qui étaient avant vous. Quel est leur sort? Quel est le sort qui a été réservé dans leur butin? C'est pourquoi, aujourd'hui, nous y revenons toujours. Nous sommes des fois des conseillers du pays, des conseillers de la population, parce que nous disons des choses, non seulement que je vous conseille, je me conseille aussi moi-même. Parce que je ne sais pas, la maladie qui m'avait frappé, pourquoi cette maladie avait été portée disparue? Parce que Dieu lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà. Pourquoi les autres sont partis? Et pourquoi moi je suis resté? Je ne dis pas que je vais rester éternellement, non, il y a un temps où je vais partir. Alors, quand j'ai vu mon ami Badi Bangi partir, j'ai vu la fille ici, Mali Missam, partir. J'ai vu encore qui? Papa Wemba. Papa Wemba partir. Non, ils sont partis, hein? J'ai vu le ministre de la Culture, Banza Mukalai, partir. J'ai vu encore aussi, c'est le conseiller de Papa Wemba, Telo Gravi, il est parti. J'ai attendu encore maintenant que Malumalu vient de partir. Donc tout ça est projeté, est programmé par Dieu. Il y a un laboratoire où Dieu sait que telle date, je vais prendre tel. Il n'y a que lui-même qui est maître. Peut-être les gens que nous trouvons qui sont trop forts, ils peuvent aussi disparaître. Un jour, le secret, c'est lui-même l'Éternel des armées. Voilà. En tout cas, c'est bien dit parce que vous aviez compris que la leçon que nous tirons aujourd'hui vous concerne. Vous aussi, concerne oui. Tout le monde. Il n'y a pas à cibler les gens, qu'on comprenne que tous nous sommes des êtres. Nous allons passer ce qui importe, c'est les actes que nous devons poser pour l'intérêt de la communauté. Si je peux vous compléter. Oui.
Qu'est-ce que Dieu demande? Faire du bien. Vous respectez la constitution, comme je vous ai dit. Vous respectez les lois de la République. Une dette d'un Congolais, l'État doit payer. Quelle dette vous faites? Non, je parle d'une manière générale. Je ne fais donc pas les dettes intérieures. Les dettes intérieures et même d'autres dettes. L'État doit payer. Parce que ce que vous faites aux autres, mais les démons aussi. Moi, j'ai vu le ministre du gouvernement de Tshisekedi de Soumobutu. Tshisekedi 1, 2 ou 3. Mais leurs dettes, mais ils étaient des ministres. Mais regardez, quand les autres ministres sont arrivés, ils n'ont pas voulu les payer. Ça fait mal. C'est pour dire que quand vous êtes aux affaires, ne faites pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse un jour. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, merci. Prenons l'autre thème, parce que là, c'était une manière de nous mettre en cause. En tant qu'être passager, nous nous mettons en cause. En philosophie, on parle même, il y a des concepts d'altérité. On est toujours aux côtés des autres. Alors, lorsque on est aux côtés des autres, qu'on comprenne qu'on partira un jour. Et quand on part, on partira un jour aussi avec les autres. Donc, c'est ça le principe naturel. On ne sait pas faire autrement. Nous acceptons, alors on ne sait pas faire autrement. Alors, Gabriel Mokia, raconte de l'opposition. À Bruxelles, initiative aujourd'hui de l'UDPS, par son président Étienne Tshisekedi, qui se déchourne depuis bien longtemps à Bruxelles parce que état de santé, il est malade, nous le savons bien. Le dialogue s'annonce ici. On tergiverse parce qu'il n'y a pas attente, alors qu'on voulait bien l'inclusivité. Pouf, c'est cette initiative de vouloir alors échanger avec les opposants. Gabriel Mokia, vous êtes de la dynamique. On a invité pratiquement tout le monde. La dynamique sera là quand? À rencontre. Avant d'aborder le contenu maintenant de cette rencontre. Merci. Hier, nous étions à Réunion. On a rejeté l'invitation. D'ailleurs, parce que l'invitation prêtait aussi des confusions là-dedans. L'invitation a invité, permettez-moi la tautologie, certaines têtes de la dynamique. Après, l'invitation a invité encore la dynamique de l'opposition. Pour nous. Alors, d'abord, vous aviez voulu que vous ayez quel type d'invitation? Bon, écoutez, c'est on invite seulement la dynamique, et vous faites le choix de vos gens. Ok, mais c'est comme ça que ça se fait, non? Si aujourd'hui on dit que la dynamique va aller rencontrer tel ambassadeur, ne croyez pas que nous tous, nous allons partir. Les modérateurs choisissent tel qui vont aller rencontrer, et puis ils vont venir faire quand même la restitution. On a toujours fait. Quand Ban Ki-moon était venu ici, vous n'avez pas vu ma tête là-bas? On a invité certains amis de l'opposition, de la dynamique, qui sont allés. Quand un tel est arrivé. Mais de l'autre côté, il y a d'autres raisons, des formalités. Mais non, mais là, pour se déplacer, celui qui invite, il sait ce qu'il va faire. Mais, des multiples déclarations, à commencer par moi-même, le premier, j'avais dit, je ne suis pas intéressé au dialogue parce que c'est sans objet. Quand on a confié mandat à quelqu'un, à la fin du mandat, vous allez un bilan adresser. Et ce n'est pas que vous n'avez pas géré avec l'opposition et nous tous, vous avez géré avec votre famille politique. Si vous avez débauché auprès de l'opposition quelques mercenaires, mais vous allez faire votre bilan avec ces mercenaires. C'est au peuple maintenant de juger. Et c'est à nous, à l'opposition, de s'asservir. Si cela n'a pas convaincu, pour demander à la population d'être oubliée et de venir vers nous, n'est-ce pas? J'avais dit que je ne suis pas partie prenante du dialogue. Et après une semaine, la déclaration de la dynamique de l'opposition est venue me confirmer ce que j'avais dit, que nous ne sommes pas partie prenante du dialogue. Dans toutes nos déclarations, c'est ce que nous faisons, non? Même quand les G7 étaient venus chez nous, on a fait une déclaration signée par les G7 et la dynamique de l'opposition refusant le dialogue. Les vieux, ils connaissent très bien notre position. Très bien notre position. Avant-hier et hier, on a échangé. Nous sommes alignés pour dire que nous ne pouvons pas trahir ce que nous avions déjà dit depuis des années. Mais maintenant, l'invitation arrive.
nous avons refusé le dialogue. Les vieux et consorts, ils sont pour le dialogue. Maintenant, nous allons manger ce que nous avons vomi. Alors là, on sera traité comme des chiens. Est-ce que vous comprenez que la politique est dynamique aussi? Les choses changent au fur et à mesure que nous avançons. Si on doit se cramponner à la position parce que telle nous l'avons prise il y a quelques temps passé, aujourd'hui, nous ne pouvons pas changer. Est-ce que là, on est conséquent, on comprend? Nous sommes conséquents parce que nous voulons que la majorité ou le président de la République fasse son bilan. À la fin de son mandat, son bilan, il ne faut pas que ce bilan soit mitigé. Non, j'avais géré aussi avec l'IDPS et la dynamique et l'opposition. C'est mieux de dire que j'ai géré avec l'IDPS et la majorité, mais ça la dynamique. Au moins nous pouvons dire que bon, cette gestion était calamiteuse. Peuple, regardez vous-même, c'est le peuple qui juge. Est-ce que vous êtes conséquent au risque que court le pays? Parce que, bon, de l'autre côté, on ne veut pas lâcher. Et avec des stratégies que peut-être vous-même vous connaissez, la dynamique veut qu'on aille dans ces conditions jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes conséquent? Parce que pas longtemps, vous disiez ici, lorsqu'on a tiré, vous aviez couru. Et pendant que vous étiez malade, finalement, la maladie est partie parce que vous avez fait la physique. Vous avez couru. C'est ça. Vous aviez couru parce qu'on a tiré. Alors, vous voulez qu'on connaisse des moments comme ça? Est-ce que vous n'allez pas courir demain? Vous n'allez pas fuir demain? Et laisser les innocents périr. Ce que j'avais couru le 26, c'était minime par rapport à ce que j'avais couru au mois de juillet 2006. C'est qu'à la fin de l'année, vous allez beaucoup courir. Oui. Alors, mais si vous allez courir. Ce n'est pas pour que la maladie m'a quitté, pour se préparer à courir. Je me prépare comment courir. Vous courez parce que... Si j'étais malade à cet état, j'allais regretter. Physiquement, vous n'êtes pas à mesure de faire face maintenant au tir de balle. Mais vous souhaitez que... Non, la CPI est là en train de chercher ceux qui tirent de balle. La CPI est là. Soyez-en rassurés, il y a la CPI. En 2006, moi j'avais couru de building Sozacom que Mobutu avait construit. Je suis allé me retrouver jusqu'à... Qu'est-ce que vous vouliez insinuer par là? Non, il n'y a rien. Vous voulez insinuer quelque chose? Non, il n'y a rien. On est tenté seulement de parler. Non, nous discutons. Le building de Mobutu avait construit, mais qu'est-ce que... Qui est saboté aujourd'hui? Avec l'argent de la... Avec l'argent de la République. Oui. Je suis allé me retrouver jusqu'à l'hôtel de ville en courant. Et là, j'ai trouvé encore les policiers qui m'attendaient. Vous avez encore couru? Comme on disait, « Aki mimbu la namokili, aki odindana mai naibale. » Donc, ce genre de risques, j'en ai pris à tout moment. Voilà pourquoi il faut les éviter. Et une fois, l'IDPS a organisé, on a organisé encore une autre marche, mais on a couru dans la ville des tirs réels, des bagarres. Moi, je me suis battu. Il y a des gens qui s'étaient cassés même les bras avec des grenades lacrymogènes. Mais c'est, qui risque rien dans la vie n'a rien. Nous voyons ça à l'étranger. Pourquoi on court? Pourquoi on ne se fatigue pas? Parce que quand un pouvoir veut s'attêter pour violer la loi du pays, les lois de la République, pour ne pas respecter les autres, pour procéder à des arrestations arbitraires telles que nous voyons les Mouyamboué qu'on sort, aller se greffer dans un litige d'une personne avec l'autre, ça c'est un mauvais pouvoir. Est-ce que vous... Parce que moi je ne peux pas voir que vous vous chamaillez avec un voisin. Moi, j'entre dans cette affaire parce que je ne t'aime pas. Il faut que je te cause du tort. C'est ça la nature de ce pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que l'UDPS est dans la bonne démarche parce qu'elle cherche la synergie de l'opposition? Il y a des tendances, c'est vrai. Il y a des gens qui sont pour le dialogue, il y a des gens qui sont contre le dialogue. Mais l'évidence est telle qu'on ne sait pas voir les élections. Qu'est-ce que nous devons faire? L'opposition doit parler le même langage. Pour cela, racontons-nous, même si on peut trouver des divergences dans la participation au dialogue, mais au moins qu'on se retrouve entre nous, qu'on voit ce que nous devons faire ensemble. Est-ce que ce n'est pas une bonne initiative, ça? Le mal est que on connaît d'avance ce que on veut qu'on puisse aller faire en Europe. C'est des intentions. On connaît d'avance. C'est pour... Vous connaissez quoi? C'est un dialoguiste qui nous appelle pour concevoir ce que nous pouvons aller parler au dialogue. Et comme nous connaissons que ça, c'est l'excuse, mais ça ne nous intéresse pas, mieux vaut éviter le mal
Mieux vaut éviter l'AVC. Arriver en Europe, tu trouves que c'est le premier dialogue. Tu dis, mais qu'est-ce que moi je peux venir? Il y a certains déjà de la dynamique qui vont participer. Vous les connaissez? Ils sont connus. Et déjà, vous êtes fragilisés. La dynamique, simplement, les autres membres de l'opposition seront là. La dynamique, quelques membres vont participer. Quelques têtes seulement vont rester. Alors, vous ne voyez pas que vous êtes fragilisés. Il y a des gens qui disent, on met au monde un enfant. Et non son cœur. Mais non son cœur. Tobo takamwana, mais toi, bakamote manaete. N'est-ce pas? On est ensemble dans la dynamique, mais nos cœurs ne sont pas ensemble. Non, je parle en termes de la fragilité maintenant, parce que ceux qui vont partir ne sont pas des moindres. Nous les connaissons, on ne sait pas les citer ici. Ils vont participer, ils ont déjà dit qu'ils vont participer, parce qu'ils ont toujours soutenu Tshisekedi. Et vous connaissez les gens qui soutiennent Tshisekedi dans la dynamique. Ils iront. Ceux qui vont rester resteront minoritaires, nous le savons. Mais vous restez minoritaires. Quel type de combat vous allez faire? Ce qui était parti, c'est Moïse. Pas seulement Moïse. Non, écoutez mon raisonnement. Ce qui était parti, c'est Moïse. On disait que non, la dynamique est déjà finie. Mais je suis passé à la télévision pour dire que c'est la plus grande force pour le moment, la dynamique. Regardez maintenant la marche de la dynamique. Tout ce qui était parti et tout ce qu'ils font, c'est minimisable par rapport à la dynamique. Est-ce que vous connaissez la position? La dynamique, c'est une grande force. Vous connaissez la position de l'UNC maintenant? L'UNC, son président, on a eu des palabres hier ensemble. On a parlé. On s'est tombé sur la même position de non. Vous connaissez la position de l'SID et les autres? Mais l'SID a dit non. Vous êtes sûr? Mais j'étais avec eux. Mais comment moi je peux te dire des choses qui ne sont pas vraies? Parce que quand je parle, des fois ils me suivent. J'étais avec eux. Tout ce que vous citez, moi j'étais avec. Moi je suis membre de la dynamique. La fin va justifier les moyens. Mais alors ils racontent. Mais ils ont refusé. Ils ont demandé au modérateur, à la modération, de faire un document. On a rédigé le document. Et on a publié parce que nous n'allons pas là-bas. D'ailleurs, maintenant, ils sont à Réunion pendant que moi, je suis avec toi ici. Mais ils diront toujours non. Mais quelque chose que vous avez déjà vomi, est-ce qu'on peut encore trouver tant qu'on sous un document? Non, il n'y a pas de document dans cette affaire. Et pourtant, vous connaissez, vous, qu'il y a une résolution qui a été prise dernièrement par le Conseil de sécurité, reprenant bien entendu les idées des précédentes résolutions. Et on vous dit, les élections, dans le respect du délai constitutionnel, mais en même temps organiser le dialogue, tout cela dans le respect du délai constitutionnel. Pourquoi vous ne pensez pas qu'il faut respecter également cet engagement international en participant au dialogue? Il y a des résolutions de l'ONU reconnaissant Jérusalem comme capitale de la Palestine. Ces résolutions ont déjà été exécutées. Il y a des résolutions des Nations Unies qui demandait à Israël de libérer les territoires occupés de la Palestine. Mais l'Israël va tout le temps tuer les Palestiniens dans leur territoire. Mais là, vous allez renforcer la majorité, là, vous allez pousser la majorité pas à s'entêter contre les résolutions. Mais il y a une résolution de l'ONU demandant à la Libye, demandant à une partie de la communauté internationale de mettre fin aux exactions de Kadhafi vis-à-vis de son peuple, de bloquer avec des avions, faire barrage aux avions de Kadhafi de ne pas décoller. Il y a eu des zones interdites au survol des avions de Kadhafi. Mais des avions de la communauté internationale avaient violé même cette résolution jusqu'à aller bombarder là où était Kadhafi pour les livrer à la face des rebelles pour les tuer. La démocratie du plus fort. Maintenant, comme il y a eu cette démocratie du plus fort, donc je sais qu'il y a la résolution 2277 qui a raconté ce qu'il a raconté, mais c'est au pouvoir maintenant de tirer les conséquences. Et cette résolution demande qu'un président qui ait fait mandat, il ne peut plus violer la constitution. Ça est dans la résolution. Et la résolution les résolutions des Nations Unies acceptent que le peuple puisse se manifester. Et l'article 26 de notre constitution
est en connivence avec une des résolutions des Nations Unies qui demandent à ce que les peuples puissent marcher. Mais des chefs d'État africains tuent les manifestants. Mais des fois, certains chefs d'État africains sont tués et sont arrêtés. D'accord. C'est pourquoi, comme vous insistez, moi, en âme et conscience, en tant que membre de la dynamique de l'opposition, je vous dis, personne n'est plus forte que les Nations Unies. D'accord, mais vous parlez des Nations Unies. Un chef de l'État soit-il. Mais dans cette rencontre, on nous apprend qu'il y a une délégation de la Maison Blanche qui sera là. Il y a le gouvernement du Royaume de Belgique qui va envoyer une délégation. Il y a d'autres également. Mais ce sont ceux-là, vos partenaires. Lorsqu'ils prennent fait cause pour une action, vous ne comprenez pas que c'est pour votre intérêt. Et si vous êtes à marge, vous risquerez alors... vous les trouvez comme je une grenouille pas, qui se sépare des autres. Je n'aime pas les intérêts des mots qui sont personnels ou de la dynamique. Non. J'aime les intérêts pour ces peuples. Oui. L'Amérique, la Belgique, ils savent ce que le Rwanda et l'Ouganda font dans notre pays. C'était l'occasion de voter des résolutions pour mettre un frein à main à des tueries de Beni. Mais des problèmes très importants, les Nations Unies et d'autres plus grandes puissances du monde esquivent cela et laissent l'ouverture à certains pays voisins d'entrer chez nous avec des machettes et avec des armes pour tuer. Alors, qu'est-ce que ça va changer si la dynamique de l'opposition peut s'associer avec les États-Unis et la Belgique? Dans une histoire, nous comprenons qu'ils veulent apporter des béquilles à la majorité qui a lamentablement échoué dans sa mauvaise gestion. La résolution doit être signée. Comment on a voté un budget de 8 ou 7 milliards et le budget va se retourner à Kilbit? À 6 milliards. Vous pensez... Alors, nous savons que si les grandes puissances aimaient notre pays, il peut y avoir la calme sur le plan économique, social, culturel, et politique aussi. Et politique et sécuritaire. N'est-ce pas? Mais comme ils veulent les bouillabaisse pour que leurs fils habitués à acheter des matières premières volées au Congo, voilà. Nous pouvons nous retrouver avec eux. Moi, je dirais que rien ne peut changer parce que nous savons le sous-bassement, c'est le pillage de nos richesses à l'OTAN. Mais alors, c'est comment? Si avec les partenaires, là, vous estimez que rien ne peut changer, mais entre vous, les Congolais, majorité opposition, le courant ne passe pas, et la solution sera trouvée comment? La solution, c'est simple. La Constitution, dans son article 220, a déjà réglé là. Non, cela ne peut être réglé correctement que lorsqu'il y a attente entre majorité et opposition et on met au premier plan les intérêts nationaux. Mais lorsque vous ne vous attendez pas, avec les partenaires, il n'y a pas attente. Mais la solution non, je n'ai pas amené la Constitution ce soir ici. J'aurais dû la déchirer devant vous. Parce que si tel est le cas qu'on ne va pas respecter une Constitution par voie de référendum, on a obtenu ça auprès de notre peuple. On dit que si on ne respecte pas cette résolution, alors là, moi, je vais beaucoup vous faites regretter. Le combat politique. Vous savez que c'est un principe politique également. Quand vous avez le pouvoir, on vous dit être à mesure de le conserver pendant longtemps possible. Quand vous n'avez pas le pouvoir, on dit le conquérir par tous les moyens démocratiques. Mais ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'ils vont vous le servir sur un plateau d'or. Vous leur donnez des pistes. Alors, mais... Vous n'êtes pas respecté. Non, ce n'est pas... L'esprit... De l'article 220 de la Constitution, non, donc ils doivent le conserver par tous les moyens, même il faut tuer les moyens démocratiques. Les autres. Non. Mais si c'est les moyens démocratiques, là nous avons le vent en poupe. Parce que d'ici décembre, c'est la fin de leur mandat. Et la Constitution a prescrit avant, surtout que si on n'a pas organisé les élections, avant l'expiration du mandat, au moins. Un chef d'État intérimaire, la Constitution a déjà cité, qui doit organiser les élections. Là, il y a un changement. Et tu vois que la majorité va disparaître parce que la majorité n'aura plus la même mise ici, la banque centrale, et l'armée et la police. Alors là, ça va rester qu'une simple majorité mécanique. Et nous, les habitués de courses, de courir, au moins, et les habitués de... Alors, je pose la question. Vous courez souvent
Hein? Vous courez souvent pour mais pouvoir. Quand un mauvais pouvoir est avec vous, mais il faut courir pour voilà. se sauver. Mauvais pouvoir avec vous, selon ce que vous dites. En face de vous, vous avez les militaires. En face de vous, vous avez les policiers. En face de vous, vous avez d'autres services. Et vous voulez, en tout cas, un rapport de force. Pas un rapport de force. Nous respectons toujours l'article 26 de la Constitution. Ça, on ne peut pas condamner l'opposition. Mais il y a un adage que vous comprenez ici qui dit qui risque rien n'a rien. N'a rien. Mais nous risquons d'une manière constitutionnelle. Ce sont ceux-là qui tirent les balles réelles. Parce que quand vous regardez l'article 182, 83 et 84, concernant l'armée et la police, l'armée et la police doivent être apolitiques. Mais ces gens se mêlent dans les problèmes de l'opposition avec les pouvoirs et ces gens prennent fait et cause du pouvoir. C'est pourquoi quand il y a un changement dans un pays, au Limoges, tous ceux-là qui faisaient des adeptes d'un pouvoir finissant, le reste, vous connaissez ce que ça peut arriver. Et surtout, juger ceux qui ont tué, parce que tous les jours qu'on tue les gens ici, on note quelque part. Et les tueurs sont connus, ils seront jugés un jour. C'est ce que j'ai dit. Quand vous avez des affaires de l'État entre vos mains, comportez-vous à un homme de Dieu. Pas un homme de Dieu qui déambule avec une Bible à terre, l'argent ou rien. Là, il ne presse pas la donc, parole. Donc, substantiellement, nous pouvons comprendre que la rencontre de l'opposition, initiée ici par l'UDPS, c'est sans objet. Elle va aboutir au toilettage d'un document qui va les permettre. Alors, s'il arrivait par exemple qu'il soit majoritaire au sein de l'opposition, parce qu'il s'agit ici de l'opposition, qu'il soit majoritaire, le refus, vous qui refusez, vous vous retrouvez minoritaire. Peut-être sans évitation. Majoritaire à quoi? Parce qu'aujourd'hui, majoritaire dans notre pays, c'est la dynamique de l'opposition. Sinon, c'est la dynamique de l'opposition. Attendez, parce que vous allez voir, les têtes sont connues, nous ne serions pas là, vous allez constater ces vides. Les têtes sont connues. Vous me parliez pas longtemps ici du nouveau modérateur. Je ne le connais pas. Je suis un présentateur des émissions politiques depuis longtemps, analyste politique. Vous le connaissez? Je ne le connais pas. Patrick, donc, c'est un nom qui n'est pas connu, peut-être de vue. Donc, autant dire que en réalité, il y a des figures qui sont incontournables dans la classe politique aujourd'hui, surtout des propositions. Quand vous parlez de Mokia, on connaît qui est Mokia, sa force, nous connaissons, ainsi de suite. Il y a des gens. Alors, si ces gens qui sont connus se retrouvaient majoritaires du côté de ceux qui se racontent aujourd'hui à Bruxelles, face à la dynamique qui refuse et qui va probablement se retrouver minoritaire, est-ce que vous ne voyez pas... Mais ces gens-là qui sont connus sont de la dynamique. Ces gens sont de la dynamique. Même si l'un des deux ou trois ils partaient là-bas, il faut venir. Moi, un type comme moi, je ne serai pas, même pas à la réunion de la dynamique qui fasse les restitutions. Mais dès qu'ils vont retourner ici, ils ne vont pas s'écarter de notre bilan qui avait refusé de prendre part à un dialogue organisé par les pouvoirs finissants. Ils seront ridicules. Un type comme moi, je m'affiche, je dis, toi, tel. Vous êtes des aventuriers. Il va se passer, qu'il va se passer. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. J'ai pris beaucoup de risques dans l'opposition. Vous savez, attendez. Beaucoup de gens connaissent que Mokia souffre parce qu'on lui a arraché tous ses biens. N'est-ce pas? Et au nom de l'opposition, mais moi, qui a tout perdu, des millions... Des maisons. Des millions seulement. J'ai ma ligne tracée. Et j'ai déjà dit ça à la dynamique. Moi, j'ai fait l'opposition pour que je puisse voir l'un de nous accéder à un poste de la magistrature suprême. Pour vous restituer vos biens. Ben, si l'un de nous prenait le pouvoir, mes biens, est-ce que quelqu'un va encore rester dans mes biens? Quel que soit sa force. On restitue les biens de Gabriel Mokia, là il se sent détendu. Non. Pas plus problème. Moi, je combats, parce que quand j'ai déjà combattu, si j'arrive au niveau de la restitution des biens, c'est que moi-même aussi, je serai un grand chef. Mais non, attendez. Je pas simplement vous aussi, vous qui êtes au pouvoir. Je termine là. Oui. C'est que moi aussi, je serai grand chef, parce que je ne suis pas minimisable. Et si je serai ministre, je ne serai pas n'importe quel ministre.
J'ai toujours dit, si je ne suis pas président de la République, je prends la défense, sécurité du territoire et ordre public. C'est pas votre choix. Sinon, la transition, c'est moi qui dois gérer. Alors, si l'aide nous parvenait à casser la baraque et que c'est automatique. Mais ma mission première, je fais l'opposition pour sauver le pays. Aux attaques des pays voisins, à l'humiliation des pays voisins, au viol des femmes congolaises, au rafle des biens matériels de la RDC, aux ventes des maisons de la République démocratique du Congo, de la Banque centrale, de la présidence, aux tueries de l'Est, au déplacement des bornes. Voilà pourquoi moi j'ai fait l'opposition, parce que ce n'est pas pour moi-même. Mais j'ai attrapé la maladie. Je pouvais aussi mourir. Qui pouvait avoir la force de suivre le problème des maisons? Ça, c'est rien. À moins qu'un de mes enfants devienne chef de l'État un jour ou ministre, là, maintenant, il peut entrer dans ma danse, parce que tous les documents sont là. Mais faire l'opposition comme nous le faisons aujourd'hui, messieurs les journalistes, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour sauver le pays et pour respecter la Constitution, les lois de la République et ses peuples ici. Les délais constitutionnels d'OTAN, vous changez. Pas comme aujourd'hui, il y a les lois sur les services routiers ici des policiers. Mais ces lois sont bafouées d'accord, par les hauts placés où on ne respecte rien. Alors, parce qu'on comprend cette rencontre, c'est réfléchir sur les enjeux de l'heure, en rapport avec l'organisation des élections, en rapport avec l'organisation du dialogue que vous refusez. Mais élection aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le projet de loi de l'identification, de l'enrôlement présenté à l'Assemblée nationale. Et voilà, le débat continue encore son cours normal. Mais déjà, dans ce projet, enfin, on n'a pas dit clairement dans ce projet, mais au moins, la CENI, vous avez proposé la fois passée 16 mois. On parle aujourd'hui des 24 mois. Avec tout ça, donc vous voyez que simplement, par la lutte en termes de marche, des contestations, que vous pourrez probablement... C'est ce que nous avons fait, nous allons faire. Mais maintenant, si aujourd'hui, on dit que la transition de 24 mois, si je ne prends pas la transition, mais lui-même, Tshisekedi qui est là, ou ce groupe, mais vous, ils peuvent prendre c'est ça. Bon. Si vous pensez prendre la direction de la transition, ça va se passer comment si vous ne procédez pas par le dialogue, finalement, pour non. tomber d'accord, que moi qui apprenne, non. maintenant... Vous savez, le problème c'est quoi? J'ai dit à la dynamique... Nous allons trouver un chef de l'État à la dynamique. Non, parce que votre cas n'est pas réglementé par la Constitution. Non, attendez. Nous allons aussi trouver un président de la transition qui est Mokia à la dynamique toujours. Mais ce n'est pas réglementé. Je gère la transition. Après, maintenant, nous allons trouver un chef de l'État à la dynamique. Mais voilà maintenant ce qui va se passer. Je comprends, vous devez alors aller au dialogue. Non, on ne peut pas aller au dialogue. Pourquoi? Laissez-moi vous parler à quelques secondes. Très rapidement, parce que nous sommes à la fin. Le dialogue... Ça va prendre fin, ça va s'éteindre. Comme ça, il n'y aura pas de dialogue. Mais maintenant, comme nos amis sont finissants, les députés, parce que c'est l'article 103 et 105, le chef de l'État, il est partant. Il y aura un grand vide qui sera comblé avant même l'expiration du délai constitutionnel d'un mandat des chefs de l'État. Le vide sera comblé. Nous allons nous réunir uniquement, pas pour dialoguer, pour demander au gouvernement. Aujourd'hui, c'est le président du Sénat qui doit prendre le pouvoir. Mais le président du Sénat, il est partant lui aussi. Le mandat est fini, ça. Mais l'opposition, puisque la majorité a échoué lamentablement dans l'organisation des élections plurielles dans notre pays, l'opposition va prendre le pouvoir pour organiser les élections. C'est à ce moment que nous allons nous en profiter pour mettre des choses en ordre dans notre pays. Je ne m'écarte pas de la Constitution, je dis des choses vraies. Évitons des fictions. Il n'y a pas de fiction. Si vous croyez que ces gens-là vont partir, mais ils sont combien? Si vous citez 4, 5, mais la dynamique, nous sommes 36 ou 40 partis politiques. 40 partis politiques avec 40 présidents de partis politiques. Vous croyez que ces gens-là sont beaucoup plus intelligents, plus malins que nous tous. Nous pouvons les laisser partir. Mais à ce moment-là, vous n'aimez pas. Il y en a qui partent, mais qu'est-ce qu'ils représentent? Si moi qui apprends le pouvoir demain pour gérer la transition. Je serai rassemblé, ne vous inquiétez pas. Ils n'aiment pas la Constitution parce qu'aucune disposition. Non, moi je viens. Mais parce que maintenant, il y a un vide. Et n'importe qui prend le pouvoir. Les députés sont partants. Les sénateurs sont partants. Les présidents de la République sont partants. Chancelier Okpamba. Chancelier Okpamba, mais c'est par là que. Le peuple va dire, Mokia, il a beaucoup combattu. C'est le seul qui va défendre maintenant
notre pays avec les exactions qui se passent dans l'Est de la République. Le dialogue et cela maintenant, c'est lui qui doit gérer la transition. Vous savez, quand j'ai dit ça, je sais que tout le monde était très content que moi qui gère la transition, là où tous ces gens-là ont échoué. Merci. Une combinaison de 5 ou 6 fautes séparées que moi je peux venir réparer pour mettre fin, un frein à main dans les exactions, dans le sous-paiement des Congolais avec 100 000 francs par mois, dans le manque de courant et eau propre et des routes. Je peux le faire à quelques mois en attendant qu'on puisse avoir un chef de l'État réellement élu. Monsieur Gabriel Moké, vous savez que vous m'avez amené dans un monde là que je n'ai pas compris. Mais je suis politicien. Est-ce que c'est vrai? Vous ne discutez pas avec un ancien commerçant, mais vous le discutez maintenant avec un politicien. Est-ce que c'est vrai ce que vous aviez dit? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Alors, Gabriel Moké, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Et mettez ça à votre tête que ça peut se passer comme ça. Ce monde, hein, tout le monde passe. Ok. Et même ceux qui sont là passeront. Passeront aussi. Et le tour de Moké aussi. Le pouvoir s'enivre, mais il y aura un moment où le pouvoir s'écarte d'une personne et la personne reste comme tout autre. Le tour de Moké aussi viendra. Le tour de Moké viendra, il va respecter les lois de la République. Mais par de moins légaux. À quelques, à une année ou à 6 mois de la fin de mon mandat, je vais dire au peuple, moi je ne serai plus candidat. Voilà. Voilà. On se verra prochainement, Gabriel Mokia. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.